retrouverai la mémoire. Ah, oh. Ça suffit. Allez, on va aller à la charpente. Quant à toi, le bonhomme de glace. Mais non, c'est pas son vrai nom. C'est un nom de code. Allez, on recommence. C'est un peu à moi. Ça fait pas de mal de s'intéresser aux autres de temps en temps. Toujours moi. Allez, on recommence. Cher bouton d'or, depuis notre rencontre, j'ai trois soleils dans les... Qu'est-ce qu'il y a? Tu te moques de moi? Concentre-toi, c'est très sérieux. Oh, il me brûle. Moi aussi, j'aime bien les hamsters. Et moi, j'aime bien regarder les films en silence. Il y a une option parapluie dans ton bateau? Bien sûr, les chats n'aiment pas l'eau. C'est marrant, tu sais, parce que je suis l'inverse de toi. Je sais que Ladybug n'est pas amoureuse, mais j'ai besoin de lui dire ce que je ressens. J'aimerais pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Mais c'est impossible, elle est tellement incroyable. J'ai peur de ne pas avoir été quelqu'un de bien et qu'à cause de ça, maintenant, elle me déteste. Elle te déteste pas, chat noir. Aujourd'hui, elle m'a quand même jeté dans une poubelle. T'es un bon chaton. Je suis sûre que tu vas trouver... une solution. C'est impossible. Ladybug et Chat Noir sont faits l'un pour l'autre, je le sais. Ou alors, est-ce que c'est moi qui ai perdu le lien avec mes glaces et qui ne suis plus capable de comprendre ce qu'elles essaient de me dire? Merci. C'était chouette. Pour moi aussi. Tire sur une île déserte et te faire dévorer par des plantes carnivores zombies. Quoi? J'ai pas terminé le troisième tome, mais ça risque d'empirer.